Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui jeudi 7 mai, 52e jour de confinement et je vous amène au Louvre. Une fois n'est pas coutume, un petit peu de culture va nous faire du bien. Donc pourquoi le Louvre? Parce que j'ai une attirance pour pas mal de peintres et notamment les impressionnistes. Donc vous reconnaîtrez... Ben là, c'est du Monet, forcément. Vous voyez, vous en avez plein. Donc, dans le lot, il y en a beaucoup qui sont véritablement au Louvre. Oui, d'autres chez moi. Non, mais beaucoup sont au Louvre et d'autres dans d'autres musées, au musée des Offices à Florence, dans la pinacothèque de Munich, d'autres pinacothèques. Donc voilà. Donc là, c'est pour vous faire un petit tour. Donc là, vous avez essentiellement du Monet. Là, forcément, nous passons à Van Gogh, avec entre autres les fameux tournesols, mais il n'a pas fait que les tournesols. Là, nous avons Van Gogh qui est là. Et puis ici, alors là c'est du Manet. Là, vous avez Degas et ses fameuses danseuses. Ici, nous avons Magritte. Alors j'aime beaucoup aussi Magritte. Alors celle-ci, certains la connaissent. Ceci n'est pas une pipe. René Magritte. Voilà. Donc là, vous en avez plusieurs. Puis là, je vous ai fait un petit topo. Donc ça, c'est Eugène Delacroix. Je pense que c'est peut-être d'actualité, je ne sais pas. Donc là, nous avons du Renoir. Là, c'est Bronzino, c'est moins connu. Gauguin. Corot, c'est un petit peu moins connu. Botticelli. Alors, Fra Angelico, donc là, c'est... C'est un peintre italien, mais qui est né en 1300 et quelques, donc un vieux peintre italien qui faisait surtout du religieux. Et pour finir, à votre avis, sur quoi je vais finir? Bien, je vais finir sur une qu'on ne présente plus, qui est la Joconde, forcément, par notre cher Léonard de Vinci. Voilà. Bon, c'était juste un petit tour comme ça. Alors, j'ai mis un bazar pas possible chez moi, forcément. Mais il va falloir que je range tout ça. Donc, c'est vrai que ouais, la peinture, pourtant, je suis très, très nulle en dessin, en peinture, en tout ce que vous voulez. Mais j'aime bien la peinture et en particulier les impressionnistes et Monet notamment. Voilà, c'était la petite minute culturelle. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, demain, on continue notre voyage. Vous allez voir où je vais vous amener. Et puis, c'est bientôt la fin de notre tour. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à demain.